Une semaine après la disparition du roi Pelé, de nombreux lieux rendent hommage au plus grand footballeur de tous les temps. Ici, devant le mythique Maracana de Rio de Janeiro, mais aussi en Afrique, puisqu'on apprend que le gouvernement capverdien entend renommer le stade de la capitale Praia, du nom de l'idole. L'occasion de célébrer les liens entre les deux pays frères, qui partagent la même langue et une identité similaire, mais aussi de répondre à l'appel de la FIFA, qui souhaite que chaque pays abrite désormais un stade Roi Pelé. Les Fenex algériens pourront bientôt compter sur un nouveau talent. Oussem Aouar, une sélection avec l'équipe de France, a choisi de changer de nationalité sportive et de porter le maillot de son pays d'origine. Âgé de 24 ans, le milieu de terrain évolue à Lyon et serait sur le point d'être transféré en Italie, du côté de la Roma de José Mourinho. Il pourrait faire ses débuts avec l'Algérie dès le prochain rassemblement. Enfin, en attendant les débuts de Cristiano Ronaldo, c'est un buteur africain qui brille en Arabie Saoudite. Le Nigérian Odion Ighalo offre hier soir la victoire à son club d'Al Hilal. L'ancien joueur de Manchester United inscrit son huitième but de la saison.